Je ne sais pas si vous avez vu à travers les champs où on parlait de la sainteté de Dieu. C'est sûr que c'est notre thème de notre message d'aujourd'hui, mais je ne sais pas si on réalise la grandeur de la sainteté de Dieu. Puis, euh, un jour, je pense que je vais prêcher juste sur les champs. Parce que les vérités, qui sont des vérités bibliques qui sont dans les champs, euh, tu sais, quand on dit, ah, oh, regarde, chaque souffle que je rendrai, je vis pour toi. Euh, pour comment on respire deux fois par minute, mais quelquefois, là. Euh, chaque souffle que je rendrai, je le ferai pour toi. Parce que Dieu est saint, c'est ce que ça l'appelle. OK? On n'est peut-être pas là encore, hein? mais euh, ce matin, est ça. on est rendu à notre troisième message sur, euh, on va dire des, les doctrines essentielles ou de base. Puis notre série s'intitule "Sais-tu en quoi tu crois et le crois-tu vraiment Notre désir avec cette série-là, c'est qu'on puisse mettre en pratique ce en quoi nous croyons. Mais en même temps, hein, comme on l'a vu dans le premier message, une vérité qui ne se vit pas est une vérité que l'on ne croit pas. Donc, si on veut mettre en pratique, ça veut dire qu'il faut croire. C'est une, une équation simple. Mais croire, ce n'est pas juste savoir. Hein? Parce qu'on en sait des choses. Euh, si vous prenez tous les messages que vous avez entendus, je ne parle même pas de la Bible, là, les messages que vous avez entendus, les sermons que vous avez peut-être écoutés sur Internet, les affaires, les livres que vous avez lus, on en sait des affaires. Est-ce que l'on croit? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une, une deuxième étape. Il hein? faut commencer par avoir les connaissances pour passer à la deuxième étape, que les croire. Puis la meilleure manière de croire quelque chose, c'est de le tester. Hein? C'est ce qu'on appelle la foi. Hein? La foi, c'est mettre en action ou à l'épreuve un petit peu ce que Dieu nous dit. Et la foi, donc, c'est mettre en pratique. Donc, on a vu dans un premier message, on a parlé des Écritures. Hein? On a mis l'enfant sur les Écritures. La semaine passée, on a parlé de Dieu, mais plus particulièrement sa gloire. Puis ce matin, ben, on va parler de la sainteté de Dieu. Et ce matin, je, je, je vous dis, je vais commencer avec un texte choc. C'est juste pour mettre le ton au message. 1 Pierre 1 15-16. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit Vous serez saints car je suis saint. Et c'est un texte qui nous ramène dans le début des Écritures, on trouve ça dans Lévitique 19. Il parle à toute la communauté des Israélites et dit-leur Soyez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. On pourrait partir avec ça matin, puis on en aurait assez pour, pour méditer, pour les. Quand vous lisez ça, c'est quoi le premier réflexe intérieur Dieu qui vous dit, soyez saints parce que je suis saint. Intérieurement, je ne sais pas, mais ça amène un petit peu de... une certaine humilité. Euh, puis tout à coup, le regard fait comme, OK. Ou la sainteté, la sainteté. Est-ce que je suis saint comme Dieu m'appelle à être saint Puis en même temps, inévitablement, on dit, ben c'est impossible, c'est impossible. Et nous avons raison. Le seul problème, c'est si on arrête là, on se dit, c'est impossible, alors je suis ce que je suis. Hein? Et ça, c'est notre réflexe naturel. Et on se dit, ah, Dieu va faire son œuvre en moi, puis euh, c'est vrai. Mais son œuvre va peut-être impliquer que ça va te confronter à des réalités où tu auras le choix de te comporter comme un saint ou de te comporter comme un, un non-saint. C'est ce que ça veut dire, d'une certaine manière. Mais donc, euh, ce texte nous parle donc. Il fait une déclaration première, c'est-à-dire que Dieu est saint. Et ça, euh, on le chantait hein, trois fois saint. Euh, mais ça veut dire quoi pour nous cette réalité-là On va regarder un petit peu tantôt. Mais ça veut dire quoi hein, On voit que dans les Écritures, hein, la sainteté de Dieu c'était quelque chose. Euh, en tout cas, dans l'Ancien Testament, euh, on voit. Euh, un, un Moïse qui enlève ses chaussures parce qu'il a le buisson, puis qui dit hey, C'est une terre sainte, enlève tes souliers. T'sais. Puis je parlais tantôt à Kivan, quand il rentrait dans le temple, il attachait de quoi après le, le sacrificateur à la taille, parce qu'au cas où qu'il ne soit pas trop sain quand il se présente et qu'il meurt, il ne voulait pas être obligé de se tu là. Puis il le retirait pour rentrer dans le lieu très saint donc d'être dans la présence de Dieu. Imaginez, ça veut dire qu'on avait une crainte de la sainteté de Dieu. Mais une crainte qui est un respect. Donc, on voit que Dieu est saint et ça devra avoir un impact. Et ça nous parle en même temps, ce texte-là qu'on vient de voir, de l'implication de la sainteté de Dieu, que ça devra avoir dans nos vies. Parce qu'il dit celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite. Et quand on est là, puis on dit, euh, oh wow, voici le plan de Dieu pour ta vie. Tu veux savoir ce que Dieu veut qu'il se passe dans ta vie? Voici le projet. Je peux te dire tout de suite que tu n'atteindras pas tout de ça demain matin. Le projet que Dieu a dans ta vie, c'est un jour, tu as été sauvé, tu as été déclaré. Tu as été déclaré saint. Puis tout le parcours sur terre, Dieu a décidé qu'il t'emmènerait de plus en plus à cette image-là, la sainteté. Et voici le projet que Dieu a sur ta vie. Parce que si ça avait pas été ça le projet de Dieu, ben sauvé, fini, dans la présence de Dieu, c'est réglé. Mais Dieu avait ce projet de œuvrer dans ta vie afin que tu puisses devenir de plus en plus semblable à ceux qu'il a déclaré que tu étais. Alors, c'est comme presque inévitable pour un enfant de Dieu. Tu as été déclaré saint, puis Dieu veut te rendre saint. Alors, voici ta vie. Je dis, Seigneur, me sauvé à 17 ans, ça a dit, oh, il y a de la job plus longtemps dans sa vie à faire. Il y en a qui s'arrivent plus tard, que je me dis euh, probablement que mais il y a de la job dans la vie de tout le monde. Mais donc, comme je vous disais, le constat qu'on fait, c'est impossible, mais on va voir que, que Dieu, il n'est pas juste celui qui nous appelle à être saint, il est aussi celui qui s'implique afin qu'on puisse devenir saint. Donc, euh, on a tendance à avoir deux options. Hein. Quand on est face à cette réalité-là, deux options, on va le voir aussi un peu tantôt, mais c'est soit qu'on diminue la sainteté de Dieu, c'est comme c'est trop gros, fait que je vais baisser ça un peu plus à un niveau euh, acceptable, tu sais, dans le sens que je suis tolérable. Donc, on le rend un peu plus semblable à nous, au lieu que nous soyons semblables à lui, on le diminue. Ou, de l'autre côté, on a tendance à se voir. Pas subir. Si Je ne suis pas si pas sain que ça. Hein? Fait qu Il y a comme ces deux options-là. Mais les deux, c'est un mensonge. C'est un mensonge dans lequel et ça, on est en train de jouer avec la vérité. Donc, ce matin, on va regarder de manière plus précise l'implication de la sainteté dans notre croissance qu'on appelle la sanctification. Fait que prions. Seigneur, ce matin, on veut aborder la ta sainteté, Seigneur, d'une manière bien humble. Seigneur, on, plus qu'on lit sur la ta sainteté, plus qu'on réalise qu'on comprend pas vraiment ce que Tu es. Seigneur, on a besoin de grandir dans cette compréhension de qui Tu es, avec cette assurance que un jour, tu nous as sauvés et que tu as promis que tu nous rendrais semblables à toi. Seigneur, alors donc, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens nous encourager. Viens te révéler tel que tu es. Merci, Seigneur, parce que si tu n'étais pas ce Dieu saint, tout ce en quoi nous croyons n'aurait aucune valeur. Seigneur, conduis-nous ce matin. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu est saint. Apocalypse 4.8 nous dit, les quatre êtres vivants ont chacun ses ailes et sont remplis Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était qui est et qui vient. continuellement. C'est ce que ça nous dit. Continuellement dans la présence de Dieu. Ce qui ce qu'on entend, c'est saint, saint, saint et le Seigneur Dieu le tout-puissant qui était, qui est et qui vient. Celui qui est là de toute éternité et qui sera là de toute éternité. Trois fois saint, ça veut dire donc parfaitement saint ou complètement saint. Apocalypse 15, versets 3 et 4 nous dit, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ça faisait drôle de relire ça, puis je me dis, ah, ça me rappelle notre série dans l'Apocalypse, mais euh, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice a été manifestée. Ça nous dit donc qu'il est le seul saint. Il est saint dans ses actes, saint dans son statut, seul digne. D'adoration, on l'a chanté ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être saint, ça veut dire mis à part, séparé. Ça veut dire, dans le cas de Dieu, c'est, il est en dehors de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est dans une classe à part. Nous ne pouvons pas le comparer à quoi que ce soit d'autre parce que tout ce qui existe, c'est sa création. Il est à part. Et ça veut aussi dire, comme je le disais, qu'il est complètement pur. En lui, il n'y a rien qui n'est pas sain, qui n'est pas parfait, qui n'est pas pur. Humainement, notre cerveau ne peut pas gérer ça. Aussi, le plus loin qu'on peut aller, c'est à peine le début de ce qu'il est. Genèse 15, 11 nous dit, Qui est comme toi parmi les dieux ô éternel Qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles un Samuel 2.2 nous dit « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » La sainteté de Dieu, c'est pas simplement juste ce qu'il est, c'est toute son essence même. Tout ce qu'il est, est rempli de la sainteté. Et sa sainteté révèle chaque fois, se révèle chaque fois dans tout ce qu'il fait. Et l'évangile n'a aucun sens sans la sainteté de Dieu. Sans la sainteté, il n'y a pas de loi morale qui rend chaque humain responsable. Sans la sainteté, il n'y a pas non plus la juste colère divine face au péché sans la sainteté de Dieu, il n'y a pas de fils parfait, envoyé comme sacrifice parfait, et qui, sait, qui satisfait parfaitement les exigences du Père. Sans la sainteté de Dieu, il n'y a aucune raison pour la résurrection. Sans la sainteté de Dieu, tout ce que nous croyons n'a aucune espèce de valeur. C'est quand la dernière fois que nous avons réfléchi, médité sur la sainteté de Dieu. On ne fait pas ça souvent, hein? Pourtant, ça devrait être notre principal sujet de réflexion et de méditation. La sainteté de Dieu doit aussi nous conduire à toujours rechercher et à célébrer sa grâce. Parce qu'à la fois, sa sainteté appelle sa grâce. Si les deux sont connectés ensemble, s'il y avait juste la sainteté sans la grâce, malheur à nous. Malheur à nous. C'est peut-être pour ça qu'on a de la misère à comprendre la grâce. Parce qu'on a de la misère à comprendre la sainteté. C'est peut-être pour ça qu'on a une grâce cheap. Parce qu'on a une sainteté cheap. Quand ça grandit, quand on comprend la grandeur de la sainteté de Dieu, inévitablement, la grâce prend toute son ampleur. Et ce qu'on va en comprendre ne sera que bien imparfait. Encore. Ça nous oblige donc à avoir la grandeur de la grâce. L'image qui me vient euh, quand je pense à, à la sainteté de Dieu, euh, moi, j'étais un gars qui aime les montagnes. Et euh, moi, j'aime ai, lire les récits de ceux qui montent le mont Everest. Et euh, quand, quand j'étais jeune et fou, je rêvais de monter le mont Everest. Un jour, je suis devenu réaliste puis j'ai dit Ouf, même le camp de base, je ne suis pas sûr. Mais le mont Everest, c'est 8849 mètres. Donc 8,8 km de haut. C'est ça que ça veut dire. Ça commence à être haut, hein? Je ne sais pas. Euh Et quand on arrive au sommet de l'Evresse, on est dans la, on ça la zone de la mort. Il n'y a pas assez d'oxygène pour que nous puissions respirer. Il y en a qui le font, hein, sans oxygène, mais ils ne restent pas là longtemps parce que c'est inévitablement, le corps se détruit. Mais la sainteté de Dieu, c'est un peu comme être au pied du Mont-Everest. Et même quand on est au pied du Mont-Everest, on n'est pas, euh, pas à zéro mètre, là, on est déjà à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Mais c'est comme si on serait au pied du Mont-Everest, mais vraiment à zéro. Puis que là, on, est, on peut être loin, puis là, on le regarde et c'est gros, ça prend de la place. Mais plus que ça va, on n'est pas capable de voir le sommet. On ne peut pas voir le sommet parce que c'est trop haut. Puis la sainteté de Dieu dans notre vie devrait se manifester de la même manière, plus qu'on s'approche de Dieu. Plus qu'on devrait juste lever le regard et faire comme non, je ne suis pas capable de voir de sommet. Et ce que ça va faire, c'est appeler toute, oui, l'humilité, mais aussi toute la nécessité, comme je disais, de la grâce. Donc la sainteté de Dieu devrait s'imposer devant nous comme le mont Everest, si on était à ses pieds. Comment ce matin vois-tu la sainteté de Dieu? Comment voyais-tu avant que je commence juste à t'en parler? Comment voyais-tu la sainteté de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui. qui, qui que tu disais! Wow, ou c'est quelque chose de quand même banal. On n'en parle pas beaucoup de la sainteté de Dieu, hein? Mais plus ça va, je suis convaincu d'une seule chose. Notre compréhension de la sainteté de Dieu, ça va se reflète dans la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Et si aujourd'hui nous avons des luttes, des combats, puis qu'on a de la misère avec toutes sortes de choses, c'est parce que notre regard sur la sainteté de Dieu est bien, bien petit. Bien petit. Puis ça, je me le dis à moi-même. Quand j'étais là et j'étudiais là-dessus sur la sainteté de Dieu, je disais Oh, que je ne comprends rien. Je ne comprends rien. On va entrer dans certains aspects pratiques de la sainteté de Dieu. Vous pourriez, tu sais, un moment donné, vous allez dire, ah, vous pourriez lire un moment donné la, la semaine passée. Vous, allez, vous pouvez lire les Écritures, et sortir les éléments qui vous parlent de la gloire de Dieu. Vous pourriez aussi lire les Écritures et sortir les éléments qui parlent de la sainteté. Vous allez être étonné de la quantité de textes qui nous parlent de la sainteté de Dieu. On, on va tourner dans un texte qu'on a vu la semaine dernière, Ésaïe 6. Euh, Première des choses, la sainteté de Dieu est au centre de tout ce qui donne du sens à notre vie. Quand on regarde les premiers versets dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun ses ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les sous-bassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. De voir Dieu tel qu'il est dans toute sa sainteté, de le voir comme on... On, vu, on le voit dans l'Ésaïcisme mais qui fait référence à ce qu'on qu a lu dans l'Apocalypse tantôt. Mais de voir Dieu dans toute sa sainteté devrait réorienter toute notre vie, tout notre regard sur la vie. Si Dieu, dans toute sa sainteté, puis l'image que j'avais du monde est vraie, c'est comme Waouh! Il me semble, il me semble, que toute le reste, Il ne peut, peut pas surpasser ça. Donc, tous les aspects de ma vie, je dois les voir à travers le filtre de la sainteté de Dieu. Ça devrait réorienter mes choix. Est-ce que ce geste-là, est-ce que cette pensée-là est conforme à la sainteté de Dieu? Est-ce qu'on est capable de voir que je vois ou que je comprends? La sainteté de Dieu dans ces paroles que je fais, dans cette attention que j'ai envers les autres, ça devrait complètement orienter, donc Dieu devient, la sainteté de Dieu devient au centre de tout ce qu'il y a dans ma vie. Excusez, mieux de prendre les bonnes pages, ça va aller mieux. Donc, si ce matin, on exposait tous nos rêves, nos projets à la lumière de la sainteté de Dieu. Mettons, prenez-en juste un là, dans votre tête. Là. Juste un. Lui qui vient facilement. C'est probablement le plus important. Puis là, vous exposez ça à la sainteté de Dieu. Comment Dieu, dans sa sainteté, voit ça? J'ai fait l'exercice, je n'étais pas content. Ça fait que, fait que si vous êtes comme. Ça réoriente. Ça réoriente toute chose. La sainteté de Dieu, autre élément important, c'est le seul moyen fiable pour nous connaître nous-mêmes. On est dans une époque où il faut se connaître, hein, puis. Mais la sainteté de Dieu, c'est le seul moyen fiable. Tu veux te connaître vraiment, expose-toi à la sainteté de Dieu. Ésaïe 6,5. Alors je dis Malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Il a vu la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis un condamné. Il n'y a rien à faire. C'est un peu ça. C'est un cri du cœur. Il dit, je suis, un, je suis perdu. Je, mes lèvres sont impures. Je, je, je pêche continuellement. Puis je vis dans, parmi un peuple qui pêche continuellement. Nous sommes condamnés. Pas le fun, hein, s'exposer quand on veut voir. Ok, euh, tu veux voir qui que expose-toi à la sainteté. Ça fait comme, ah, ok, c'était peut-être pas ça la réponse que je voulais. Mais la sainteté de Dieu révèle qui nous sommes. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas s'exposer à la sainteté de Dieu. C'est peut-être pour ça. Ben, moi, je pense que c'est pour ça, moi, mais vous autres, je ne sais pas. La sainteté de Dieu nous confronte aussi avec la grandeur du péché. Psaume 51, versets 3 à 6. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait mal. Le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. On voit hein, le début, un peu comme on retrouve avec Ésaïe. Mais ça le confronter avec la grandeur du péché. Et euh, il y en a qui, qui ont fait RF, d'autres qui vont le faire, vous allez comprendre cette notion-là, mais. Quand il y a un, un péché ou une offense premièrement, comme David le voit dans le psaume, c'est envers Dieu. C'est envers Dieu. C'est Dieu qui est premièrement blessé, offensé par le péché. Psaume 51, il ne faut pas oublier, David, c'est le péché avec Bathsheba. Hein? Fait donc, coucher avec Bathsheba. Son mari l'a emmené pour qu'il se fasse tuer. Puis non seulement son mari, mais tous ceux qui étaient avec l'armée autour. Donc, il y a un paquet de monde qui sont morts. Puis il avait dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Oups! Hein? Mais le péché, premièrement, pointe ou attaque Dieu. Il y a une petite image à un moment donné. Euh, j'ai essayé de la ressortir, mais ça n'était pas clair. Mais je vais essayer de vous la faire visualiser. Quand on vient à Christ, le jour de notre salut, on a une compréhension du péché, une compréhension de la sainteté de Dieu. On a une compréhension qui est très, très infime. Et la croix, c'est à travers la croix. que... On comprend que sans la croix, on est perdu. Hein? Donc, et le problème, c'est que dans notre vie chrétienne, plus nous avançons, plus nous avons une plus grande compréhension de la sainteté de Dieu. Donc, si on prend comme un peu une image d'un entonnoir, on a une compréhension de plus en plus grande de la sainteté de Dieu. Mais aussi, on a en même temps une compréhension plus grande du péché. Nous n'avons pas plus péché, nous sommes juste plus conscients du péché. Donc, nous avons cet entonnoir-là qui grandit. La croix, qui est la manifestation de la grâce de Dieu, doit de la même manière grandir. Plus je comprends la grandeur de la sainteté de Dieu et plus je comprends la grandeur de mon péché. Plus que la grandeur de la grâce, la compréhension de la grâce doit être là. Vous êtes d'accord C'est logique. Le problème dans notre vie chrétienne, c'est que cette compréhension-là de la grâce, est, elle a est souvent fait qu'on se retrouve avec une petite croix puis un petit gap hein, en en bas ou en haut, et l'on est obligé de combler d'une certaine manière. Et il y a juste deux manières de le combler, comme je disais au début, soit qu'on voit Dieu moins saint qu'il est pour réduire par le haut, ou soit qu'on voit notre péché moins grand qu'il est. C'est clair Donc on a comme une petite croix, puis on essaie de combler. Je sais pas si vous savez, mais le, le saut est impossible à combler. Il y a juste la croix qui peut combler entre les deux. Donc si on a une plus grande compréhension du péché, parce qu'on a aussi une plus grande compréhension de la sainteté de Dieu, nous devons ou nous grandissons dans une plus grande compréhension de la grâce. C'est clair Mais -ce, avec quoi nous comblons ces vides-là des fois Est-ce que vous avez tendance dans vos vies à réduire la sainteté de Dieu ou pas vous casser la tête où vous avez tendance à vous voir euh, moins pire que vous êtes. On ne se cachera pas, là, tu sais. on regarde des gens là qui ne connaissent pas le Seigneur et on se dit hey, ils sont vraiment plus pourris que nous autres. Hein. On se dit ça, en dedans, on ne dit pas fort. Personne ne dit ça, on ne dit pas ça fort. Mais en dedans de nous, il y, y a comme ça. Ben, je veux dire, honte à nous. Honte à nous. On a oublié qui nous sommes et d'où nous venons. Au lieu de regarder ceux qui ne connaissent pas Christ encore et voir la grandeur du péché, regardons à la sainteté de Dieu. Laissons-le refléter l'image de qui nous sommes. Vous allez voir que le discours changera. La prochaine fois que vous aurez le goût de dire, il yeah. l'autre ou même pour un frère ou une soeur. Tournez-vous vers Dieu et regardez sa sainteté. Après ça, vous parlerez s'il vous reste des mots. S'il vous reste des mots. Oui. Oui. Exactement. Oui. La sainteté de Dieu, c'est la quête de notre vie, que vous le sachiez ou non. Comme je vous disais tantôt, hein, le projet de Dieu pour nos vies, c'est la sanctification. Puis ça va se passer différemment pour l'un et pour l'autre. Vous aurez, oui, des rôles différents, mais le projet de Dieu, c'est la sanctification. Il n'y a pas d'autres projets dans ta vie qui sont prioritaires que celui-là. Dans le sens que, tu peux dire, ah oui, Dieu m'appelle à faire, pas en tout. Oui, peut-être que le Seigneur m'appelle à être le pasteur ou à prêcher en avant, mais ça, c'est secondaire. Parce que même dans son appel dans un ministère dans ma vie, il me met juste là, là parce qu'il veut travailler ma sanctification. C'est le chemin. Les autres choses autour, c'est le chemin par lequel Dieu vous en veut vous emmener dans sa sanctification. Mais On voit dans 1 Thessaloniciens 4.3, hein, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Et si on ouvre le texte dans 1 Pierre 1, 13 à 19, je vous ai lu juste un petit bout de phrase, mais il nous parle de la sanctification. Il dit C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobres. » Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui, sans considération de personne, juge, chacun selon ses œuvres conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables argent ou or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères mais par le sang précieux du Christ comme un agneau sans défaut et sans tâche. dans tout ce processus ou de cette quête de vie Dieu veut que nous soyons affermis. Il veut qu'on mette notre espérance dans la grâce. Il veut qu'on recherche l'obéissance. Il nous dit devenez saints. Ça fait un peu euh, insensé, hein, comme faire si je vous dis devenez saints C'est comme dire à une plante grandis. Hein, c'est un petit peu ça. Mais c'est un peu vrai. Mais Dieu a décidé qu'il mettait les ingrédients pour que la plante agrandisse dans la sainteté. C'est comme juste genre, tout est là, maintenant deviens. Deviens ce que tu dois être. Deviens de plus en plus conforme à ce que j'ai déclaré de concernant. Mais Dieu va mettre tous les ingrédients pour que la plante de la sanctification ou notre sainteté grandisse. Et quand on regarde dans la fin du texte, ça nous dit d'une certaine manière, si nous reconnaissons la sainteté de Dieu, nous savons à quel prix notre salut a été payé. La sainteté de Dieu vient donner toute la valeur au sacrifice de Christ. Imaginez. Pour les enfants de Dieu, c'est notre quête ultime. On sait que notre quête ultime n'est pas ici-bas. Notre vie dans ce monde est temporaire. C'est juste. Vous êtes juste dans un pratique. Vous êtes juste en train de vous pratiquer. Ne dites pas Oh, moi, je n'ai pas besoin de pratique On va être surpris. inévitablement que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, hein? les choses arrivent dans ta vie. Ils n'ont qu'un seul but, ta sanctification. Puis là, tu te dis, ah, oh, moi je ne veux pas pratiquer, je ne veux pas devenir. C'est correct, mais le projet de Dieu, il ne change pas, là. Il faut juste être plus long, plus souffrant, plus pénible. Cinquième élément, la sainteté de Dieu nous conduit à se donner pour la mission du salut par grâce. La sainteté de Dieu nous, nous pousse à se mettre au service de Dieu, à ouvrir la bouche. Ça devient comme inévitable. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien d'autre de plus important. Donc, notre bouche s'ouvre. On retourne dans Isaïe 6, verset 8-9. Ça nous dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va. » okay. Imaginez, il voit toute la sainteté de Dieu. Il se voit tel qu'il est. Le bout qu'on n'a pas vu, c'est... Hein, le, le petit euh, la, la pierre qui vient un peu le tison qui vient purifier sa bouche donc ça nous parle du, du salut donc, que Dieu offre puis la première chose qui vient c'est comme besoin de quelqu'un j'y vais j'y vais j'y vais ok aujourd'hui on est moi y si j'ai le temps et si vous êtes comme moi, vous êtes bien trop occupé. On n'a pas de temps. On n'a pas le temps. La différence, c'est que cette, la sainteté nous appelle à aller. Tout le reste que vous faites dans votre vie vient juste s'inclure dans la manière dont vous allez aller. D'ailleurs, hein, quand on, on retourne à la grande mission de aller, faites de toutes les nations des disciples, ben, il est en train de dire tout en vous en allant. Tout en vous en allant, c'est ce que le texte dit, tout en vous en allant. Ça veut dire tout en faisant ce que vous faites, faites des disciples des nations. Ça veut dire que ça n'exclut pas que vous, vous êtes occupé, ça explique juste votre motif dans votre occupation. Est-ce que de voir la sainteté de Dieu, est-ce que de réaliser la grâce qui vous est faite, pousse vos cœurs à être disponibles pour le servir? Est-ce que la sainteté de Dieu ce matin te laisse encore silencieux? Et comme on l'a vu, hein, la sainteté de Dieu nous rappelle notre besoin continuel de la grâce. Et on l'a vu que ça nous. Nous oblige à, à comprendre, ou ça nous amène à comprendre la grandeur de la grâce, parce qu'on se dit, si Dieu est saint de même, puis ce que je suis, on se retrouve un peu comme Esaïe. On se dit, non, non, je suis condamné. Alors la grâce vient prendre toute sa place. Mais ce n'est pas juste un one shot deal. Romains 5, verset 1-2 nous dit Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul disait aux Romains, non seulement on est sauvé par la grâce, mais cette grâce, on a besoin d'y rester fermement attaché dans notre quotidien. Je n'ai besoin tout le temps dans mon quotidien. Ce matin, on est tous d'accord qu'on est sauvés par la grâce. Hein? C'est l'élément central de, de notre foi. Mais ce matin, est-ce que tu vis continuellement par la grâce? Ça, c'est le chemin de la sanctification. Autre élément, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout le monde, tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Christ, recherche un monde dirigé par la sainteté de Dieu. Saviez-vous ça? Tout le monde, tout le monde. ben, tout le monde veut un milieu où il y a la paix, hein? il n'y a pas de guerre. On veut jusqu un monde où la justice, elle est parfaite. Où l'amour, elle est là. Où l'honnêteté, elle est là. Où le respect de l'autre est là. Il y a juste un Dieu saint qui peut offrir ça. Imaginez quelle belle porte pour présenter l'Évangile. Je ne sais pas si vous voyez. Dire ce que vous recherchez là, avec vos désirs écologiques de sauver la planète, de toute la réponse se trouve en Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire offrir. La réponse se trouve en Dieu. Point final. Donc, chacun recherche cela. On voit dans Romains 8, verset 19-24, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Tout ce que ce monde soupire après. aura sa réponse sous la direction d'un Dieu saint. Point final. Dieu est la réponse aux aspirations de notre cœur, mais aussi aux aspirations de tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Une autre excellente raison d'ouvrir la bouche. Et tout ça, c'est à cause de la sainteté de Dieu. Donc, en conclusion, ce sera pas long. Je suis dans le bon de ma page. J'aimerais vous encourager à méditer sur la sainteté de Dieu. Pas une fois de temps en temps, mais quotidiennement. Pour ceux qui ont ramassé euh, ou qui ont saisi plutôt le défi de lire les psaumes, les 150 psaumes en 150 jours, vous allez être servi allègrement sur la sainteté de Dieu dans les psaumes. Et pourquoi ne pas ressortir des psaumes toutes les fois où ça parle de la sainteté de Dieu Et non seulement dans les psaumes, mais... Rappelons-nous la sainteté de Dieu lorsque nous lisons les Écritures. Vous allez être étonnés de voir la quantité de fois qu'on en parle. Je vais vous encourager aussi ce matin à exposer vos vies, vos choix, vos projets à la sainteté de Dieu. Faites-les au moins avec un. Est-ce que vous êtes prêts à prendre un risque au moins avec un? Pas toutes, là. Juste l'exposer. Ça veut pas sûr que Dieu va le détruire. Mais il va tout le moins probablement le réformer, le réorienter. Et comme on l'a vu, laisse la sainteté de Dieu te pousser à ouvrir la bouche. Si vous méditez sur la sainteté de Dieu, je suis convaincu que vous ne pourrez pas vous taire. Convaincu. Je suis convaincu. Donc, j'avais dit que je, je, je vous laisserai un, un texte. Ça va être le texte qu'on va regarder, ceux qui vont venir mercredi. Euh, ça va être le texte qu'on va regarder. Je vais vous le donner. Puis, je vous le laisse parce que vous pourrez le faire, même si vous venez pas là. Mais je vous encourage à pas juste le faire tout seul dans votre coin. Je vous encourage à faire avec des frères et des sœurs pour vous exhorter, vous challenger. Ben, le mercredi, mais ça peut être aussi un autre soir, s'il y en a que ça les adonne mieux à un autre moment. Il n'y a pas de problème. Faites-nous faites, faites les juste savoir. Ça va juste être encourageant de voir tous les gens qui. Donc, le texte, vous allez prendre 1 Pierre 1, verset 13 à 19, où je vous l'ai lu tantôt. Trois questions. Je pourrais les mettre sur la, la page Facebook ou je ne sais pas, là, de l'Église. Ou... Mais les trois questions. À quoi est-ce que tu te conformes autre que Dieu? À partir du texte. Mais pas à partir du texte, mais peut-être ça, ça va être une méditation intérieure parce que ça se sera pas dans le texte. Mais le texte nous appelle à se questionner à ce en quoi on se conforme. Deuxième question. Quelles sont les implications pour toi? Là, là, dans l'immédiateté, que Dieu soit saint. OK? Troisième question. Devenir saint, parce que le texte nous appelle à devenir saint, ça va ressembler à quoi pour toi cette semaine? C'est clair? Je voulais répéter, juste au cas où, ceux qui prennent des notes. Donc, le texte est 1 Pierre 1, 13 à 19. Première question, en quoi est-ce que tu te conformes autre qu'à Dieu? Okay. Deux, quelles sont les implications pour toi que Dieu soit saint? Et troisième, devenir saint, ça va ressembler à quoi? cette semaine pour toi. Fait que donc, mercredi, on va partir du texte puis on va regarder ensemble ces trois questions-là. Je vous dis tout de suite, on va regarder ça puis on va regarder ce qu'on a mis puis ça va nous emmener, je suis convaincu, à prier les uns pour les autres. Peut-être que ça va vous avoir emmené aussi individuellement dans la préparation à de la repentance sur certaines choses, mais c'est là-dessus qu'on va être mais que je vous encourage pas juste le mercredi, là, je vous encourage vraiment. Peut-être que vous avez dîner ensemble, il y en a ce midi, vous pourrez déjà commencer à regarder ça, voir. Hein, J'espère que ça ne vous empêchera pas de dîner. Si ça vous empêche de dîner parce que vous êtes trop excité, tant mieux. Ça coûte juste meilleur marché. Donc, que nous puissions nous laisser. Impressionné, je peux oser dire de même, par la sainteté de Dieu. Que de réaliser la grandeur de la sainteté de Dieu nous emmène à voir à la fois la grandeur de notre péché, mais aussi la grandeur de la grâce qui nous a été donnée. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, de s'arrêter à la sainteté, ça nous pousse dans l'humilité. Seigneur, Pardon parce qu'on néglige ta sainteté. Seigneur, merci de nous faire réaliser qui tu es. Seigneur, on veut oui, que tu viennes continuer une œuvre dans nos cœurs afin de te révéler de plus en plus, de mieux en mieux. Mais Seigneur, ce matin, viens pointer dans nos vies tout ce qui déshonore ta sainteté. Seigneur, merci, merci de parler à nos cœurs. Conduis, Seigneur, chacun, chacune de ceux qui sont ici ce matin dans cette méditation concernant ta sainteté, Seigneur. Viens te glorifier de plus en plus dans nos vies, Seigneur. Amen.